Jessica Thivenin se plaît à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Et le 8 janvier 2023, la candidate emblématique des Marseillais, W9, a fait des confidences qui ont inquiété certains de ses abonnés. Le lendemain, elle a donc de nouveau pris la parole. L'épouse de Thibaut Garcia ne l'a jamais caché, elle a eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises. Sa première opération date de 2014. Jessica Thivenin a subi une augmentation mammaire. 2 ans plus tard, elle réalisait ses premières injections avant une rhinoplastie, réalisée en même temps que son mari. Elle a ensuite mis un implant au menton en 2018 et, en 2020, elle s'est fait opérer des fesses. Une opération très douloureuse, mais dont elle était très contente. Pourtant, actuellement, Jessica Thivenin connaît des douleurs comme elle l'a confié sur Snapchat. Elle a vite précisé qu'elle en avait parfois, un mal qu'elle connaît depuis qu'elle a réalisé sa dernière intervention. Certains internautes ont donc supposé qu'elle pouvait être victime d'une infection. Mais le 9 janvier, la belle blonde de 33 ans a tenu à les rassurer. Petit update par rapport à mes fesses, parce que tout le monde m'a dit que je devrais aller voir la clinique, parce que c'était peut-être une infection. Alors non, je n'ai pas d'infection aux fesses, ni de problème de prothèse. Je pense que si y est-il un problème de muscle, de nerf qui est coincé en fait, a-t-elle confié dans un premier temps. Jessica Thivenin a ensuite expliqué qu'elle souffrait du côté droit de la fesse, une douleur comme un pincement qui la gêne fortement. J'avais fait des injections au sacrum chez un docteur du sport car ma douleur était plus basse avant. Là, elle est plus haute. Donc je vais prendre un rendez-vous. Mais si est-il vrai que si est-il un problème que je n'avais pas avant de faire mes prothèses aux fesses. Je ne sais pas si ça peut venir aussi des grossesses, car des choses peuvent se déclencher. Mais comme j'ai eu les fesses et la grossesse. Je ne sais pas d'où ça vient. Pendant celle de Livan, j'avais mal, a-t-elle conclu. Il ne reste donc plus à Jessica Thivenin qu'à prendre rendez-vous pour en savoir plus.